mes potos, c'est Créo, comment allez-vous? Pour ma part, ça plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur MadVenture 2.0 pour un nouvel épisode, l'épisode 7, je crois. Ben non, attendez, l'épisode 5? Oh, je sais plus, je suis perdu, bah écoutez, désolé. Je me souviens plus de l'épisode dernier, donc bon, on va dire que voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui, alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer, un petit peu, j'ai travaillé en off, comme vous le voyez, sur ce beau chemin. Et bah comme vous le voyez, j'ai un peu aussi bossé sur l'Oasis et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décorer l'Oasis ensemble, mais avant cela, je vais vous montrer l'avancée de ce que j'ai fait. Alors il va faire nuit, donc je vais me dépêcher. Donc tout simplement, en fait, j'ai fait une sorte de place, un peu comme dans les bourgs ou quoi que ce soit. Donc voilà, une fontaine au milieu qui entoure d'un chemin et forcément ces chemins, et bah voilà, ce grand chemin. Eh bien, on va partir dans d'autres chemins qui, bah voilà, vers l'Oasis, ici vers la maison, ici vers la future ferme qu'on va bientôt faire, donc voilà. Et là-bas, bah du coup, la salle des coffres. Faudrait que je rajoute de la lumière par ici parce que je pense que ça peut spawn. Je rajouterai ça. Mais voilà, en tout cas, c'est sympathique. Et puis avec les lanternes, ça rajoute un charme vraiment cool. C'est tout nouveau pour moi, donc ouais, franchement, les lanternes, c'est vraiment un bon ajout qu'ils ont fait, Mojang. Donc c'est plutôt cool. Alors j'ai toujours pas emménagé dans ma maison, parce que en fait, je travaille beaucoup en fait sur les autres trucs à faire, et j'ai pas mis de temps pour ça, donc je ferai après si j'ai du temps. Mais aujourd'hui, alors comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, voilà, il y a pas mal de saumon en fait, de sauts de saumon, parce qu'en fait je vais les mettre dans l'Oasis, alors parce que j'ai envie que ça ressemble un peu à la réalité, donc ça c'est un petit chemin en fait, et ici on fera un petit ponton, on pourra pêcher. Et donc je disais ouais, que j'ai envie que ça ressemble un peu à la réalité, donc ce qui veut dire que dans le désert, bon, il y a certes des oasis, alors pas partout, mais par exemple dans les oasis vous n'allez pas trouver des coraux, vous n'allez pas trouver je sais pas, de la glowstone par exemple. Donc ce que je vais mettre, c'est juste des poissons et peut-être des, je sais plus comment on appelle ça, des bougies de mer, enfin vous savez, les trucs un peu visqueux qu'on fait avec des slimes qui s'allument. Donc je vais peut-être mettre ça pour, bon allez, mettre un peu de déco, même si c'est pas très réaliste, mais ça fera du charme. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de décorer non plus à fond l'oasis, parce que sinon ça va pas ressembler un peu à la réalité de ce que c'est un oasis. Je sais pas si... Bah, je suis tout seul. Parce que tout à l'heure on était 40 000, donc nickel. On va aller dormir. Hop. Voilà. Ouais, j'utilise des enderpearls maintenant parce que c'est bon. Faire les trajets 46 000 fois, c'est un peu chiant à la fin. Donc, puis c'est vrai que je pourrais mettre mon Elytra, mais bon, j'y pense pas, tout simplement j'y pense pas. Donc, alors, ce que j'avais comme idée pour la décoration de l'Oasis, c'est garder les bambous, ça c'est plutôt sympathique, mais il y en a trop je crois. J'ai un peu les éparpillés un peu autour si j'y arrive, mais là c'est un peu trop concentré, il y en a un peu trop. Donc j'ai un peu en casser et puis en mettre un peu partout, enfin pas partout comme ça, mais dispersé quoi. Ici en fait j'ai mis des petits troncs pour dire que là il y aura des palmiers, parce que je vais faire des palmiers hein, dans un oasis et dans le désert surtout. Et bah il y a des palmiers, donc c'est ce que je vais faire. Pour l'instant je vais enlever les bambous. Je sais pas si je vais les enlever tous, à vrai dire je vais surtout en enlever une grande partie parce que il y en a un peu trop. Ah oui, j'ai aussi... Enfin, ça, je vais pas garder, il faut que je remplace par la corse dirt. C'est juste que j'avais fait une plantation temporaire pour mes petits animaux là-bas. Ah, mais oui, parce que je sais pas si... Non, je les ai pas montrés, ça. Je sais pas si je voulais montrer dans l'ancien épisode, je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai fait des petits enclos où il y a des vaches et puis plus loin, des moutons. Voilà. Ah, je m'en vais. Attends, mais il va me suivre partout. Bon, ça sert à rien. Hop là. On va faire du coupé décalé, hein, la tactique, voilà, nickel. Hop, là, ouais, la poudre de creeper, ça sert toujours. Alors, je vais être un peu full. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite les saumons, vous savez quoi, comme ça sera fait, et j'aurai de la place. Donc, voilà, j'ai un peu, bon, écoutez, je vais les mettre ici, hein, puis ils vont se démerder tout seul, pardon. Hop, là. D'accord, ok. Faut que je...
faut que je les mette sur du sol. Voilà. Par contre, j'ai pas besoin d'eau. Ah non, je l'ai repris, mais lâche-moi. Non, j'ai pas besoin d'eau, voilà. Ah oui, merde. C'est vrai que j'ai pas le... Je ne suis pas un poisson, moi, par contre. Ok, bah c'est cool. Voilà, ça fait un peu de... J'en rajouterai peut-être, parce qu'il y en a pas des masses. C'est vrai que l'oasis est assez grand. Donc... Enfin, voilà. On les voit pas trop. Ouais, j'en rajouterai. Ah oui, pfff. Oh là là. Ils sont tranquilles dans leur petit truc, là. Hein. Ah oui, c'est assez grand pour eux. J'en rajouterai. Je mettrai aussi des poissons normaux. Je sais pas si on peut en trouver. Faudrait que je regarde. Mais voilà. C'était juste pour vous montrer que... Voilà, je vais mettre des poissons dedans. Donc. Alors, j'ai juste posé... des petits... palmiers, alors. Petits palmiers, non. Faut que je coupe ces arbres, par contre. Hop. J'en ai fait un moment de temps pour faire du bois... Pour faire des coffres dans la salle des coffres. Et donc maintenant j'en ai plus besoin. Alors ça va être un épisode assez court aujourd'hui parce que tout simplement je peux faire des épisodes longs maintenant parce que... Ah oui, je suis fibré, hein, voilà, bonne nouvelle. Je suis fibré. Donc grande nouvelle aussi, je vais faire des lives. Je vais pas mettre le lien maintenant. Si vous voulez chercher par vous-même, vous pouvez trouver. Mais je vais pas mettre le lien maintenant parce que je suis en train de travailler un peu sur tout ce qui est overlay, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est pas qualité, c'est pas fameux, quoi. Voilà. Je suis pas encore assez expérimenté là-dedans. Donc, je vais pas encore mettre le lien. Je mettrai le lien quand je sortirai une vidéo spéciale. Parce que là, je suis en train de travailler aussi sur un Discord. Donc, voilà. Je ferai une vidéo regroupée avec le Discord créé officiel et donc le live, donc Twitch. Je ferai des lives que sur Twitch, par contre. Donc voilà. Petite nouvelle comme ça, au cas où, si ça vous intéresse, forcément. Et sur les lives, on fera du Madventure, en gros, du multigaming, voilà. Un peu comme tout le monde. C'est vrai que c'est pas très original, mais bon. Voilà, quand on n'a pas trop de talent, on sait faire que ça. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ouais, non, lui, il est trop rapproché. En vrai, j'ai pas en faire non plus 15 000. Sinon ça va trop être concentré et je me dis que là c'est même un peu trop. Vraiment que ça soit espacé un peu quand même, quoi. Ouais, voilà, du style comme ça, c'est parfait. Ouais. Nickel. Il est bien mis, c'est bon. Paf. Ouais, non, encore reculer un peu, voilà. Faut pas que ça soit... au moins qu'on voit un peu quand même l'eau, etc. Voilà, la déco. Donc, je vais vous montrer, alors, les bambous, on va faire ça tout de suite. Après, je vais vous montrer comment on fait des petits buissons. Alors, franchement, j'ai rien inventé. Hein. Vous pouvez voir dans le biome jungle. Voilà, il y a des petits buissons, c'est assez concentré comme c'est la jungle, quoi. Mais on peut constater que voilà, il y a des petits buissons. Vous voyez, il y a un truc de bois, et tout autour, il y a du feuillage comme ça, là. Et c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Des petits trucs comme ça, sympathiques, un peu feuillus, quoi. Un peu de verdure, ça fait pas de mal. Ça pousse à une vitesse, tout ce truc, c'est... Mais c'est comme dans la réalité, en vrai. C'est vrai que c'est bête à dire, mais c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup trop mal, les enderpearls. Par contre, j'ai vu un truc chelou. Voilà, ça, putain. J'ai fait spawn une endermite. En vrai, ouais, non, non, non. En soi, ça servait à rien. Non, non, non. Je me disais, fallait peut-être la garder, mais non. Je ferai des petits paquets. Au pire, j'ai une idée. Je vais faire les buissons en même temps que les bambous. Ça va rendre un petit truc sympa. Ça, je peux prendre les pousses. Ça servira un jour ou l'autre. Nickel. Nickel, nickel. Ok, donc j'ai délimité. C'est cool. Après, je vais montrer comment on fait les... Alors, comment on fait ? Comment on fait les buissons, mais... C'est pas non plus dur, quoi. Par contre, voilà. Je vais plutôt les mettre là, les palmiers, hein. Pas trop proche de l'eau. J'ajouterai même une petite couche de corse dirt autour. Ah, je sais pas. Ah, je pense que ça suffira. En fait, en gros, le buisson... Enfin, je vais le mettre ici, en fait. Par exemple, prenons un petit endroit sympathique. Voilà, là. Paf. Et on va faire le buisson comme ça, tout simplement. Donc, on l'entoure comme ça. Et après, on fera un truc pas du tout symétrique qui se barre un peu en cacahuète, quoi. Comme un vrai buisson. Paf, voilà. Voilà, ceci est un buisson.
Voilà. Et à côté, par exemple, on mettra un petit bambou ici et un petit bambou là. Voilà. Enfin, pas trop non plus, parce que sinon ça va dénaturer. Et en fait, on va en mettre vraiment. Par contre, les buissons vont être un peu partout. Par exemple, je vais refaire un autre ici, quoi. Hop. Parce que vu que la végétation ne pousse vraiment qu'à une infime d'eau, parce qu'on est dans le désert, donc franchement, la végétation essaie de trouver un point d'eau vite, quoi. Donc, pour survivre. Donc, dès qu'ils ont le point d'eau, ils se mettent vraiment juste à côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de buissons autour des oasis. Parce que forcément, bah. Oula, peut-être pas assez haut. Ouais, comme ça. Pourquoi pas, ouais. Donc voilà, ils cherchent vraiment un point d'eau assez vite. Donc évidemment, voilà. Faut qu'ils poussent assez vite. Donc ils se mettent vraiment à côté de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal. Donc voilà, on fera des petits buissons comme ça. J'ajouterai peut-être un petit feuillage ici. Voilà. Et lui, il est assez grand. Voilà. Un petit bambou là, ici, et puis là. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est les entours. Bon, il n'y a pas de bambou dans les oasis, mais bon, vu qu'il y a un truc en plus dans Minecraft, je me suis dit, allez, soyons fous. On va en mettre un ici. Et on va le mettre comme ça. Il s'étale un peu plus, lui. Voilà. Voilà. Et on va mettre un petit bambou ici. Là et ici, pourquoi pas. Et voilà, je vais faire ça un peu autour. Voilà, donc bon, je vous épargne un peu les répétitions, hein. C'est un peu comme bah voilà, c'est pareil que ça de toute façon. Et puis maintenant on va passer au ah oh, bah tiens, bonsoir. On va passer au palmier. Alors, faut que je me rappelle comment on fait des palmiers. Je sais plus du tout. On va faire celui-là, le premier. Alors, on va mettre quoi? On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est pas mal. 7, c'est pas mal. Alors, maintenant, comment on fait les palmiers? Oh là là là. Alors là. on mettait 1, 2. Alors, le truc chiant avec les palmiers, c'est que c'est loin à faire. Mais bon. 1, 2, et lui. Alors, ouais. On va descendre. Hop là. Ok, ok, et ok. Donc, ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça, les palmiers. Hein. J'espère que je ne dis pas de conneries. Et je crois que il y avait un truc genre comme ça. Mais je sais pas si j'en mettais deux ou un. Ou même trois. Attendez, comment ça donne? Non, bah j'en ai qu'un. Faudra que j'en mette deux peut-être. Deux en diagonale comme ça. Je vais essayer. Ouh! J'ai pas du tout failli tomber. Hein. N'importe quoi. Je vais mettre ici. Ok, est-ce que ça ressemble à un palmier? Pour moi, oui. Pour moi, oui, mais. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais, c'était pas comme ça. Alors, attendez. Il faut que je monte. En fait, lui, il était en bas. Tout simplement. Si j'y arrive. Ok. Là, par contre, on est posé un peu trop. On récupère tout ça. Attendez. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça, ouais. C'est mieux comme ça. Bon, bah écoutez. Ça va être très long. Ça va être très long. Donc, j'hésite. J'hésite à vous le faire en rapide ou plutôt faire ça en off. Donc, je sais pas trop. Bon, d'ailleurs, si vous avez des idées hein, pour la décoration de l'oasis, je suis toujours preneur. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut faire des choses plutôt sympathiques. Hop là. Ouais. J'ai juste envie de voir comment ça rend en fait un palmier entier. Hop là. Et. Ah, forcément, mais. C'est comme les coffres, ça. Voilà.
Voilà. Voilà. Ok. Ah, il monte lui. Ouais, pour le palmier, c'est... Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est validé. Donc, bah, je les ferai comme ça, écoutez. Tout autour. Et puis, je ferai des petits buissons comme ça. Je vais peut-être attendre vos commentaires pour voir si vous voulez que je fasse ça avec vous. Ou si vous avez des idées aussi. Donc, j'attendrai, je pense. Donc, voilà. Alors, ouais, là-dessus, ok. Bon. Bah, nickel, ça. Bah, écoutez... On va s'arrêter là-dessus, en plus il fait nuit, donc bah voilà, c'est parfait. Et on va s'arrêter à côté de ce petit palmier, il est très sympathique, avec la petite lune qui se lève, c'est magnifique. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, et puis à liker hein, si vous avez kiffé. En tout cas, bah, c'est cool d'avoir fait cet épisode avec vous. Si vous avez des idées forcément, bah, n'hésitez pas. Je suis preneur des idées surtout, voilà. Les commentaires, c'est fait pour ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Créo. À la prochaine. And ciao. Jingle bells chiming, jingle bell time.